Bonjour à tous, merci d'être ici pour ce troisième jour du festival Effraction. Et on va aborder ensemble avec nos deux invités la question, il y aura pas mal de questions et pas mal de fils qu'on va tirer, mais la question du lien entre l'homme et l'animal. Sybille Grimbert, merci d'être ici. Votre 11e roman, je crois, si j'ai fait le bon calcul, s'appelle Le Dernier des Siens. Il est publié aux éditions Anne Carrière. Et on pourrait résumer en une phrase ce livre. C'est l'histoire belle et tragique au milieu du 19e siècle, de l'amitié quasi amoureuse, on reviendra là-dessus, entre un homme, Auguste, qui est un scientifique français, et un pingouin qui l'a sauvé d'un massacre sur une île islandaise et qui l'a nommé Prosp. L'oiseau, normalement, aurait dû être mort, empaillé et envoyé au musée d'histoire naturelle de Lille, qui embauche Auguste. Mais ça ne va pas se passer de cette manière-là. Le pingouin sera vivant. Auguste va l'emmener chez lui, le mettre dans une cage, dans son bureau, au grand dam de sa femme de ménage, et va, au lieu d'écrire une lettre au musée d'histoire naturelle pour dire qu'il a un pingouin vivant, il va repousser ce moment d'écrire cette lettre et observer, dessiner d'abord ce pingouin et petit à petit s'attacher à lui. Et il y aura dans votre livre tout un processus de lien entre Auguste et celui qu'il nommera Prosp. Ça va commencer par une curiosité, un peu de simplement de se regarder comme ça, et petit à petit un vrai attachement, et je le disais, une amitié amoureuse. Alors on reviendra sur la question d'amitié amoureuse, parce que c'est peut-être plus complexe que ça. On va lire cette, peut-être aussi une obsession chez Auguste par rapport à cet animal, et puis on va aussi dérouler d'autres questions, qui est la question de la disparition d'une espèce. On est au 19e siècle, on commence seulement à se poser la question, c'est encore un peu flou cette histoire de disparition d'espèces, en l'occurrence le pingouin. Est-ce que Prosp est le dernier pingouin sur Terre ou pas, on ne sait pas. Et ça, tout au long du livre, on se pose cette question. Il y a d'autres questions qu'on va se poser aussi. Le langage entre un animal et l'homme. Est-ce que aussi l'animal a des sentiments, des sensations? Est-ce qu'il commence à ressembler ou pas à Auguste? Inversement, est-ce qu'Auguste commence à ressembler à son pingouin? C'est toutes des questions qu'on se posera. Je crois aussi que ce qui ressort de votre roman, c'est cette incapacité qu'a votre personnage d'être réellement au monde. Mais ça fait partie, je crois, aussi des questions que vous posez depuis quelques années dans vos textes. On le verra aussi. Comprendre aussi en quoi il est obsédé par la disparition de l'espèce, et peut-être sa propre disparition, je ne sais pas, c'est peut-être ma lecture. Il y a aussi cette relation fusionnelle entre cet homme et cet animal. Et je vais vous lire juste quelques mots. Parfois, il se demandait si Prosp était encore à ses yeux un pingouin, un oiseau, en tout cas une créature mystérieuse, complètement étrangère, les mots sont importants, et qui d'ailleurs ne le comprenait pas davantage que lui ne la saisissait, quand bien même il avait une maîtrise aiguë de sa morphologie et de ses expressions. Au fond, il s'en occupait tellement que parfois il avait l'impression qu'ils se confondaient l'un et l'autre, qu'ils se prolongeaient.
Alors forcément, ça doit vous parler, Dominique Guillot, ce texte-là et cet extrait du livre de Sybille Grimbert. Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS. Vous nous invitez dans l'un de vos ouvrages, Le fondement oublié de la culture, publié dans la collection La couleur des idées des éditions du Seuil, à penser les rapports culturels entre les hommes et les animaux. Vous essayez de comprendre comment penser la différence entre les bêtes et les êtres, et vous questionnez les disciplines qui étudient les interactions entre hommes et animaux. Le livre de Sybille Grimbert serait presque les travaux pratiques de vos recherches, plus que ça. Je crois que vous vous êtes lus tous les deux, et je crois que vous êtes assez intéressés par le travail que vous avez fait l'un et l'autre. Peut-être que je peux commencer par vous, Dominique Guillot, sur votre lecture du texte de Sybille Grimbert, qui, je crois, répond complètement à vos questionnements. Oui, merci beaucoup. En fait, j'ai trouvé ce livre vraiment magnifique et assez fascinant, parce qu'il faut savoir que de parler les animaux, c'est toujours un piège, en fait, en sciences sociales ou dans la littérature. Je pense que c'est très, très compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on est confronté toujours aux mêmes choses. C'est-à-dire que d'un côté, on sent bien que les animaux, ils ne sont pas comme nous. Donc, on est tenté d'avoir une explication un peu mécaniste de l'animal. Et de l'autre côté, il y a les tentations anthropomorphiques qu'on peut avoir et qui, quelquefois, sont justifiées, mais on est souvent déçu quand on a des interprétations anthropomorphiques. Donc, soit on est trop mécanisant avec l'animal, il est là, à côté des humains, comme un meuble, soit on verse trop dans l'anthropomorphisme excessif. Alors, que faire pour échapper à ça? Et je pense que le livre explore, à mon avis, la seule et de manière magistrale voie pour rendre compte par une autre voie de ce qui se passe avec les animaux. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces conceptions à la fois mécanistes de l'animal et ces conceptions trop anthropomorphiques de l'animal? Elles ont en commun une chose, c'est de considérer qu'on est proche d'un être, qu'on peut développer une amitié, un lien social avec lui, pour autant qu'on partage beaucoup de choses avec lui, qu'on est identique. C'est-à-dire qu'elle lie la capacité, la possibilité d'une vie sociale amicale, d'émotion, à l'identité partagée. Or, c'est une idée très répandue aujourd'hui, avec tous ces relents identitaires, mais aussi communautaires. Or, si on y réfléchit, et c'est ça, je pense, qui illustre vraiment parfaitement l'ouvrage, c'est que ce n'est pas du tout une condition, l'identité partagée, de la vie sociale. C'est ni une condition nécessaire, ni une condition suffisante. C'est pas nécessaire parce que si tout le monde est égoïste, c'est pas suffisant parce que si tout le monde est égoïste, les gens échangent pas, donc ils sont identiques mais ils échangent pas. Et c'est pas non plus suffisant parce que vous pouvez avoir plein de choses que vous ne faites pas si vous êtes avec des individus comme vous. Ce qui rend possible la vie sociale, l'amitié, c'est l'ajustement des conduites, des actions. Et donc les différences peuvent, si elles s'ajustent, être un ferment de vie sociale. Et vous défendez cette question des différences, vous combattez, ou en tout cas vous remettez en question la question du tropisme identitaire et la question du grand partage, les animaux plutôt des objets d'un côté et les humains de l'autre côté, que défendent d'ailleurs des gens, pour ne pas les citer, comme Philippe Descola et Bruno Latour. On reviendra là-dessus, mais je voulais quand même vous poser cette question, Sybille Grimbert, 11e roman, et l'un des premiers qui questionne cette relation animale-nature. Il y a une des questions que se pose Gus, que j'ai envie de vous poser. Il se dit à un moment donné, pourquoi moi, qui ne m'intéressais pas au sujet, moi qui ignorais même que le sujet était possible, pourquoi moi suis-je là? Je vous pose la même question. Pourquoi vous êtes-vous là, à cet endroit-là, sur la question de la disparition des espèces, sur la question rapport animal-homme, pingouin-homme au XIXe siècle? Alors, merci de m'avoir invité. Ça s'est fait très naturellement. Enfin, d'abord, je crois qu'on est tous aujourd'hui assez poreux à toutes ces questions-là. Tout ce qu'on regarde, tout le moindre documentaire animalier nous parle de la disparition prochaine de l'espèce qui fait l'objet du film. On y pense quand c'est un bruit de fond dans lequel on est. Donc, comme tout le monde, je suis dans ce bruit de fond et ça me touche. Et puis après, d'une façon très personnelle,
plusieurs choses. J'ai eu un chat et la relation avec le chat m'a absolument passionnée. C'est après que, par hasard, j'ai lu Dominique Guillot, et c'est là où je me suis dit, il le dit mieux, enfin merveilleusement bien. C'est ce qu'il dira, ce qu'il décrira tout à l'heure. Mais j'étais très intéressée parce que je me disais, mais que pense cet animal? Que voit, pour schématiser, que voit ce chat quand il me regarde de l'autre bout de la pièce? Est-ce qu'il voit un être humain? Est-ce qu'il voit un être? Juste quelque chose de vivant qui n'est rien de spécial, quelqu'un qui a barre sur lui ou quelqu'un qui lui est soumis, bon, ça c'est la question classique, mais qu'est-ce qu'il identifie, qu'est-ce qu'il voit, quand je suis en train de parler avec quelqu'un dans mon salon, c'est quoi ce son qui sort de ma bouche, enfin, comment il peut... Et tout ça, je trouvais ça vertigineux. Et puis j'avais lu un livre que j'avais en fait édité d'une femme qui s'appelle Johanna Burger, qui s'appelle Le perroquet qui m'aimait. C'est une grande scientifique, une biologiste et une ornithologue. Et elle a hérité un jour d'un perroquet. Et elle décrit son histoire, à la fois comme si on... Enfin, c'est une scientifique qui vous parle. Et elle décrit son histoire, sa vie avec ce perroquet. Il se trouve que les perroquets sont des animaux très intelligents. Et c'est absolument passionnant. La relation qu'elle a avec cet animal est totalement fascinante, drôle, faite de jalousie, d'affection, et de ce que Dominique Guillot appelle de malentendu. C'est-à-dire qu'on croit qu'on se comprend, mais en fait, c'est pas comme ça. On collabore. Enfin, je le laisserai expliquer tout ça mieux. Et l'un dans l'autre, je m'étais jamais intéressée aux oiseaux, et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est passionnant. J'avais mon chat, il y avait ce discours général, et je pensais tout simplement au dodo, et je vais finir là très vite, parce que je ne veux pas prendre trop la parole, et je me disais, c'est complètement fou d'être un dodo, c'est d'être né avec des semblables, et d'avoir fini sa vie en les ayant vus mourir les uns après les autres, et d'être tout seul. Et qu'est-ce que c'est qu'être un dodo? Et comme je savais que je n'allais pas parler à la place d'un animal, je savais que c'était un homme qui allait se poser ces questions-là, petit à petit, j'ai cherché une espèce disparue qui était plus proche aussi intellectuellement de notre époque. C'est intéressant parce que, et ça on en a déjà un petit peu, alors pour tout vous dire, on en a déjà un tout petit peu parlé avant, et j'étais fascinée par votre façon à tous les deux de vous écouter et de dialoguer. Il y a quelque chose d'important dans votre roman, je crois, Sybille Grimbert, et je pense que Dominique Guillot sera d'accord avec moi, c'est la juste place à laquelle, je pense que ça a été très important pour vous aussi de mettre Auguste et le rapport entre les deux, parce que finalement c'est plus le rapport entre les deux que vous racontez que la place de l'un ou la place de l'autre, et ça c'est la juste place qui est très compliquée, je crois, à raconter. Peut-être qu'avant de parler de cette juste place, parlons-en du rapport animaux domestiques et hommes, puisque vous en avez un petit peu parlé. Vous, dans votre livre, vous déconstruisez quelque part un peu Colette. Alors, on parle beaucoup de Colette cette année, mais vous racontez les erreurs d'interprétation, finalement, de Colette à propos des animaux et à propos notamment de son chat. Je voudrais quand même que vous nous racontiez ça. Alors oui, c'est une histoire intéressante parce qu'elle montre, en fait, deux choses. Elle montre qu'on se trompe avec les animaux, souvent, quand on interprète trop, enfin, quand on se demande trop ce qu'ils ont dans la tête, mais au fond, ça marche quand même très bien avec eux pour ce qu'on a à faire avec eux en général. Et c'est vraiment ça le plus important, c'est qu'en général, ça marche avec les animaux, ça marche en fait entre Prosp et Gus, ça fonctionne. Après, on peut faire des tas d'hypothèses, et c'est quand on se les pose, ces hypothèses d'ailleurs, qu'on se rend compte qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Colette? En fait, Colette raconte que quand elle était éditrice, elle avait un bureau dans sa maison d'édition, et qu'elle avait une petite terrière brabançonne, une petite chienne qui venait tout le temps l'accompagner dans ce bureau. Et en fait, un jour, elle s'est rendue compte que cette chienne devinait toujours le moment où elle allait sortir, quitter le bureau. Alors, elle s'est dit, mais c'est pas possible, je vais essayer de comprendre comment elle devine ça. Alors, elle a essayé de changer d'heure, ça ne trompait pas la chienne. Elle devinait encore qu'elle partait, au moment où elle partait, la chienne se tenait droite devant la porte. Elle a essayé avec son manteau. Quand elle met son manteau sans vouloir partir, ça n'abusait pas la chienne. Et au bout d'un moment, elle s'est dit, c'est pas possible, c'est de la télépathie, comme disent beaucoup de propriétaires de chiens, d'ailleurs, ou d'animaux domestiques. Et à un moment, elle s'est rendue compte
qu'en fait, la chienne, parce que les chiens, ils font des statistiques sur vous, en fait. Ils sont très bons pour ça. Ils ne savent pas ce que vous avez dans la tête, mais c'est des statistiques chiens, en quelque sorte. Ils font des corrélations. Elle avait remarqué que ce qui prédisait le mieux le départ de Colette, c'était le moment où elle rebougeait son stylo. Donc, c'est une forme d'ajustement des conduites qui pouvait très bien marcher sans qu'aucun ne comprenne exactement ce qui se passe et ne devine ce qu'il y avait dans la tête de l'autre. Oui, ça fait partie des erreurs, en tout cas des convictions qu'on a, nous, face à nos animaux domestiques. Alors, il y aurait une interprétation, en fait, je pense qu'on ne partagerait pas, qui serait de dire, mais en fait, ce que disent les gens qui n'aiment pas trop les chiens ou les chats, mais ces humains, c'est n'importe quoi, ils font que de la projection anthropomorphique, il n'y a rien dans la tête du chien, etc. Et si les gens parlent à leur chien, c'est vraiment n'importe quoi, c'est irrationnel, etc. Non, c'est assez rationnel d'un point de vue pragmatique de parler à un chien. Ce qui serait irrationnel, ce serait de chercher à savoir éthologiquement le signal exactement qu'il faudrait parler pour qu'un chien, pense-t-on, comprenne ce qu'on veut vraiment dire quand on est humain. Ça n'a aucun sens, en fait. Moi, je suis humain, je parle à mon chien, ça marche bien pour ce qu'on a à faire ensemble. Ça s'ajuste. Le chien ne parle pas. Je ne sais pas ce qu'il a dans la tête si je me pose la question. Mais ça marche. On arrive à faire des choses incroyables. Les chasseurs qui ont des chiens de recherche au sang font des choses incroyables avec leurs chiens. Mais chacun fait des choses que l'autre ne fait pas. Chacun apprend à l'autre des choses qu'il ne saurait pas faire lui-même. C'est-à-dire que le chasseur apprend au chien à suivre avec son odorat une piste alors que le chasseur ne sait pas le faire. Peut-être ce qu'il y a dans leur tête n'a rien à voir. Et pourtant, c'est une coopération remplie d'émotions. Et ça me fait beaucoup penser en fait, à ce qui se passe avec le pingouin. Ça marche, ça fonctionne pour les besoins pratiques que les gens ont. Et c'est d'abord ça, le fondement de la vie sociale, de l'amitié, de l'histoire qu'on peut avoir avec quelqu'un. Et c'est donc pour ça, je reviens par un détour un peu long à ce que je disais au début, c'est que le fondement de la vie sociale, ce n'est pas l'identité partagée, c'est l'ajustement pragmatique de ce qu'on pense et de ce qu'on fait avec un être. Est-ce que entre le pingouin et Auguste, entre Prosp et Auguste, c'est justement cet ajustement-là qui se passe et qui se pose? C'est aussi l'histoire d'une domestication, mais pas voulue, parce que finalement, Auguste rend son pingouin domestique sans vraiment le vouloir. Il se fait un peu prendre à son propre piège, prendre par ses émotions, par son attachement. Et petit à petit, il va observer, se poser la question du pingouin. Est-ce que le pingouin commence à avoir des attitudes proches de lui? Est-ce qu'il commence à manger un peu de poisson avec la fourchette? Est-ce qu'il lui ressemble ou pas? C'est partie des grandes questions que vous posez. La question du langage aussi. Et Auguste résout assez rapidement la question du langage en comparant. Il se marie entre-temps avec une Danoise. Il dit finalement, je comprends pas. Pas bien non plus le danois et je comprends pas le pingouin, en gros c'est ça. Et il comprend finalement ces différences, Auguste. Auguste, il a une approche, si vous voulez, il a l'approche de toute personne qui se met à aimer. Et en fait, de ce point de vue-là, le grand pingouin, parce que c'est un grand pingouin, opère comme c'est une altérité au carré. C'est-à-dire, ce qui moi m'intéressait, c'était ça. C'est comment on regarde un être avec lequel on ne partage rien. On n'a pas le même goût des choses. On n'a pas le même rapport au monde. On ne marche pas de la même manière. Et a fortiori, nous ne nageons pas aussi bien qu'un grand pingouin. Et pourtant, on peut l'aimer avec toute cette différence. Et ça inclut aussi, je rebondis sur la question de la domestication, parce que c'est vrai que c'est une question qui, je crois, nous intéresse tous les deux beaucoup. C'est, si vous voulez, la question de la... En fait, il ne domestique pas le pingouin. Il offre à un pingouin une façon de vivre, qui se trouve et dans une maison, et qui est nourrie par lui. Je fais une parenthèse pour que vous compreniez comment il en est arrivé là. Il sauve quand même l'animal d'une destruction avéré, puisqu'en 1844, il n'y a plus aucun grand pingouin sur Terre. Bon, ça, c'est ce qui explique pourquoi. Mais bref, il amène cet animal à vivre comme ça. L'animal est un être qui, comme nous tous, enfin, qui s'adapte, et l'animal continue à s'adapter. Je ne pourrais pas dire, moi, Sibylle, que ce n'est plus un animal sauvage. C'est un animal qui a gardé tous ses attributs qu'il avait dans le monde sauvage, mais qui s'est simplement adapté à une situation particulière et pour survivre.
Mais ça, c'est une des grandes questions, voilà. D'ailleurs, la question du sauvage. Est-il encore, oui ou non, un animal sauvage? Peut-il encore vivre avec d'autres pingouins? Il y a un moment dans votre livre où il tente de le... est-ce que je peux le dire comme ça, de le réintroduire, finalement. Et il se fait rejeter par d'autres pingouins. Là, pardon. Oui, alors, souvent, on me dit ça comme argument pour le fait que, donc, domestiqué, il a perdu toute façon de... toute faculté d'adaptation aussi, hein. Ce que, franchement, je ne crois pas, mais je laisse au lecteur, le débat n'est pas tranché, le livre ne tranche pas le débat, mais moi, je crois que non, parce que je sais que les animaux qui vivent en groupe ne sont pas spécialement généreux avec un élément qui vient d'un autre groupe, même de la même espèce. Donc, d'un certain point de vue, qu'il soit rejeté par les siens, ou de la... c'est pas parce qu'il n'a plus tellement les codes de la vie sauvage, c'est qu'il n'appartient pas à cette colonie. Et que... Oui, allez-y, Dominique. Non, il y a une idée qui m'est venue en vous écoutant. C'est que cette idée, effectivement, est assez répandue. Mais c'est curieux parce qu'on ne l'appliquerait pas tellement aux humains. On ne dirait pas qu'un humain qui a vécu dans un... Il est déshumanisé, un humain qui a vécu tout seul, quelque part. On ne dirait pas qu'il est déshumanisé, qu'il a changé. Au contraire, on va essayer de dire que malgré tous les avatars de son existence, par exemple les enfants sauvages, ça reste des humains, on va dire. Mais ce qui est curieux aujourd'hui, c'est que quand il y a un animal qui se retrouve seul dans un environnement qui n'était pas le sien, on va dire qu'il est, il est plus dans son espèce. Donc je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça, parce que d'un point de vue naturaliste, qui est celui qu'on aimerait avoir en science, tous les animaux sont naturels et il n'y a pas une vie tracée. L'évolution ne marche pas comme ça, avec des fonctions déterminées. Il n'y a pas une vie tracée pour chacun. Il y a des grandes marges et suivant l'environnement, il n'y a pas de prédestination dans les gènes. Il y a des marges qui sont ouvertes. Et c'est s'avancer beaucoup que de dire que ce n'est plus un pingouin. Pour moi, il y a autant de raisons de dire que c'est un pingouin. Juste un mot peut-être sur ça aussi. Il faut peut-être faire la différence entre apprivoisement et domestication. C'est bien. La domestication, c'est un processus à travers lequel, qui est un peu différent, à travers lequel il y a une modification génétique au fil des générations dans une espèce en raison de sa cohabitation avec l'homme. Mais là aussi, je pense que ce serait commettre une erreur, et c'est commettre une erreur parce qu'on l'entend assez souvent, y compris dans la recherche, de considérer que les animaux domestiques sont moins naturels que les autres. Le chien, son environnement sauvage, c'est les humains, les villes, les poubelles et tout ça. On a grand intérêt à le considérer comme ça, encore plus si on veut sauver les espèces, à mon avis. Prenez des notes, je pense qu'il y aura des questions autour de, de ce sujet-là. Tout à l'heure, je vous laisserai la parole. Il y a quelque chose qui, moi, m'a fortement impressionnée dans votre livre, Sybille Grimbert, et puis aussi un petit peu déroutée. C'est ce vertige qu'a Auguste d'aimer, peut-être, ou en tout cas d'être, de vivre avec peut-être le dernier animal de son espèce, la fameuse question de la disparition. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et cette difficulté, finalement, presque d'aimer cet animal-là, de le regarder en disant, mais tu es peut-être le dernier. Et ça rend encore, je ne sais pas, plus beau la rencontre, mais plus tragique aussi. Ça, indéniablement. Rencontrer quelqu'un, enfin rencontrer un être qui disparaîtra pour toujours, c'est vraiment absolument tragique. C'était quand même le moteur au départ. Enfin, quand l'idée m'est venue, c'était aussi, j'avais cette fascination pour la relation qu'on peut entretenir avec un animal, mais aussi évidemment ce que c'est que qu'est-ce que c'est que la solitude d'un dernier d'une espèce. En vous disant ça, je ne pense pas que le grand pingouin, que Prospe, savait qu'il était le dernier de son espèce. Il n'est pas surintelligent. Mais l'homme, lui, l'a compris au fil du roman. C'est même un des fils du roman. Et je ne sais plus ce que je voulais vous... Là, j'ai perdu... Non, mais justement, sur la question de comment aimer un être dont on sait que l'espèce va disparaître. Est-ce qu'il y a de vertigineux... Voilà, c'est ça, merci. Ce qu'il y a de vertigineux, enfin, je pense, c'est non seulement effectivement la solitude qu'on imagine de cet animal-là, mais c'est que ce qu'il y a de très, très triste avec le dernier d'une espèce, c'est que vous perdez un chien que vous adorez. C'est tout à fait bouleversant. Vous retrouverez un chien, ou même si vous ne voulez plus jamais adopter un chien, vous verrez à travers des chiens dans la rue, des chiens chez des amis, des traits communs
qui vous rappelleront votre animal. D'une même façon de lécher, un jappement, que sais-je, une couleur de poil, enfin tout, une forme. Vous perdez le grand pingouin ou un autre animal, ou ce sera le cas si quelqu'un rencontre le dernier orang-outan, plus jamais aucun être, aucune, rien de vivant au monde ne vous rappellera cette forme-là. Il n'y aura plus aucun être au monde qui aura ce mouvement du bec, voire cette couleur de bec, les palmes ainsi, le bruit de son cri, voilà, c'est... On perd non seulement un être, mais on perd définitivement toute la possibilité du souvenir, de l'incarnation du souvenir d'un être. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Vous me rappellerez, si j'oublie, rappelez-moi vraiment qu'on revienne sur le pingouin et sur le regard que pose Auguste sur le pingouin, sur les descriptions qui évoluent au fil des jours, au fil du temps, qui sont magnifiques. Et c'est important aussi de rappeler que c'est un pingouin et pas un autre animal. Et ça, on reviendra aussi sur l'importance que vous donnez, Dominique Guillot, toujours en revenant sur le fameux grand partage, les animaux d'un côté, les hommes de l'autre, de mettre les animaux tous dans le même panier. Finalement, c'est une grosse erreur et il y a vraiment des différences. Mais pour rester sur la question d'une disparition d'espèce, ça va au-delà de ça. Là, c'est le côté plus intime, finalement, de reconnaître son animal ou celui qu'on a aimé dans un autre animal. Mais là, c'est aussi la croyance en la nature et en la capacité de continuer. Vous écrivez, à un moment donné, ce sont les mots d'Auguste, puisque tout est raconté par le regard d'Auguste. Je rappelle qu'on est bien au 19e siècle, et ça, je vous poserai aussi la question sur aujourd'hui, on parle beaucoup de la disparition des espèces, etc. Mais non, jamais les animaux ne disparaissent, pense-t-il. La Terre n'est que profusion. Certes, jadis, les mammouths, les mégalonyx, cet énorme paresseux de la taille du mastodonte, avaient disparu. Certes, les bêtes se transforment, sans doute, les catastrophes les tuent, ou parfois, parce que les conditions autour d'elles changent, une espèce devient plus adroite et prolifère quand une autre s'amenuise. Mais la nature, si bien huilée, si équilibrée, empêche la fin de ce qui n'est pas nuisible à l'homme. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas, ou qu'il n'imagine pas, il n'est pas le seul, qu'une espèce puisse disparaître. Ça, c'est la pensée du 19e. C'est un peu flou, cette question-là. Oui, c'est avant ça. Darwin, effectivement, parce que Darwin n'a toujours pas... Le livre se termine avant Darwin. C'est ça. Et juste avant. Il y a déjà quelques écrits. Ouais. Il y a Charles Lyell qui a commencé un petit peu à écrire. Il y a John, que je ne connaissais pas. John, je ne sais plus. Enfin bon, il y a quelques naturalistes qui écrivent là-dessus, mais sans plus. En fait, ça m'a vraiment fasciné aussi dans le roman, vous ne l'avez pas dit, mais parce que... Il y a beaucoup de choses sur l'histoire du 19e siècle, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sur comment est née la théorie de l'évolution et ce que c'est. Et à mon avis, ce n'est pas encore tout à fait passé dans le grand public ce que c'est vraiment la théorie de l'évolution. À l'époque, c'est pour ça qu'on peut être surpris dans le roman de le voir obsédé par ça, mais à l'époque, on ne pensait pas que les espèces pouvaient disparaître. Pourquoi ? Parce que la diversité des vivants, elle était comprise comme quelque chose qui obéit à une sorte d'équilibre. Donc si ça disparaît, ça va revenir. Et donc, ça a été un moment capital, un élément capital, contrairement à ce qu'on dit. On focalise souvent sur la transformation des espèces, l'homme de singe. Ça n'a pas du tout été capital dans la naissance de la théorie de l'évolution, parce que ça n'est pas le cœur de la théorie de l'évolution, la transformation des espèces. C'est même quelque chose qui l'a freiné à un moment. S'il y a des questions là-dessus, je pourrais y répondre. Mais là, ce qui est central, c'est l'idée de mort des espèces, c'est qu'elle n'est pas formulable dans la pensée de vie. Aujourd'hui, elle nous apparaît dans toute sa violence, c'est-à-dire qu'il y a une extinction qui est proche. Alors, évidemment, il faut en être conscient, mais il faut savoir aussi que ça nous invite à regarder ce que c'est vraiment que la diversité de la vie. Et la diversité de la vie, c'est une histoire. Ce n'est pas un développement ascendant avec l'homo, c'est une histoire contingente, c'est un cimetière d'espèces. Il y a plein d'espèces qui ont disparu, tout le temps. Il y a plein de branches mortes dans l'évolution, comme ça. Mais... Voilà, pour bien poser cette question des espèces, la compréhension de la théorie de l'évolution est capitale. Et ce livre, même si Darwin n'est jamais cité, est profondément darwinien, en fait, à oui, mon avis. Bien sûr,
Il est cité dans les remerciements. Enfin, dans les remerciements. Et il y a quelques textes, en fait, c'est John Fleming. C'est avant, c'est pour ça. Voilà. C'est John Fleming, en fait. Il y a quelques textes, effectivement. Restons avec vous, Dominique Guillot, parce qu'il y a autre chose qui nous a tous les deux fascinés dans le livre de Sybille Grimbert, qu'on a beaucoup aimé aussi tous les deux. Et pas que pour, je voulais quand même le dire aussi, pas que pour les grandes questions que vous posez, mais aussi par cette belle amitié, parce que c'est d'une beauté absolue. Je parlais de beauté tragique tout à l'heure, mais c'est une vraiment belle histoire d'amitié amoureuse entre ces deux personnes. Mais il y a dans le livre de trois choses, et le point stratégique de vos questionnements dans votre livre, à vous, j'ai peut-être vous laisser citer peut-être la phrase qui vous a et qui nous a marqué tous les deux, Dominique Guillot, sur le juste point, non pas de l'identité ressemblante, mais bien des différences. Hein. Alors, je vous remets la savoir par cœur, mais je l'ai écrite. Voilà. Il y avait comme une intersection entre leurs deux mondes, une zone de croisement dans laquelle ils vivaient en bonne intelligence. Ça me paraît vraiment extrêmement important parce que souvent, comme je disais tout à l'heure, on est focalisé à propos de ce qui se passe entre un humain et un animal de compagnie par est-ce qu'ils se comprennent bien ? Est-ce que ce qui se passe dans leur tête, c'est la même chose ? Est-ce qu'ils se trompent pas, etc. Ce qui est intéressant, c'est pas ça, c'est d'essayer de voir, c'est plutôt non pas l'alignement identitaire, mais il faut regarder ça comme un ballet, c'est-à-dire avec des danseurs qui sont différents et qui se complètent. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'ajustent, qui prennent, comme une clé avec une serrure, en quelque sorte. Comment et qu'est-ce que vont pouvoir inventer un être, par exemple, comme le pingouin, qui n'a pas de main, qui n'a même pas d'aile, va pouvoir s'ajuster dans certaines activités avec un humain qui, lui, a des mains, a une tête, un langage de type linguistique, etc. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les zones dans lesquelles ça peut marcher. Mais ce n'est pas du tout un problème, en fait, ou une question de partager quelque chose, c'est une question d'ajuster des conduites. Et c'est vraiment décrit par le menu dans toute la relation de Gus à son pingouin. Mais je vais plus loin, c'est que les deux ajustent leur conduite. C'est-à-dire que Auguste change sa vie, et le pingouin aussi. C'est-à-dire qu'en fonction des besoins, alors plus des besoins du pingouin, presque j'ai envie de dire, Auguste va changer sa façon de vivre avec des rituels. Tous les soirs, il prend sa corde et il emmène le pingouin nager dans l'eau. Il va même s'installer exprès dans une maison avec sa femme et enfant, à un endroit où le pingouin se sentira bien. Tout est fait autour du pingouin. Les enfants s'adaptent aussi, ça devient quelque chose d'habituel. Les étudiants qui viennent aussi prendre des cours finissent par voir le pingouin qui fait partie de cette famille-là. Il y a tout est adapté en fonction et chacun a changé un tout petit peu sa vie en fonction de l'autre. Il est à noter que paradoxalement, je crois que c'est plus facile pour Gus, pour l'homme, d'adapter sa vie au pingouin que l'inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, c'est facile si vous êtes naturaliste, que vous vivez quand même dans la nature, plus ou moins, ou si vous pouvez avoir une maison avec un bassin, c'est facile. Le pingouin aurait eu énormément de mal à faire beaucoup d'efforts pour s'adapter. Donc, mais oui, c'est là où ce que vous devez savoir, c'est que j'ai lu Dominique Guillot en cours d'écriture de ce livre, un petit peu avant. Enfin, il m'a été. Nous ne nous connaissions pas avant 10 minutes, plutôt avant. Et ça m'a beaucoup aidé pour formuler ça. Enfin, pour formuler intellectuellement ce que je ne vais pas réussir à vous formuler conceptuellement parfaitement, mais vous allez comprendre. C'est effectivement cette rencontre à un point, enfin c'est la phrase que vous avez lue, mais cette rencontre à un point, ou d'ailleurs peu importe qu'on se comprenne bien. Et ça, c'est ça au fond, je trouve que c'est, maintenant je me déplace à nouveau, assez fondamental. C'est pas grave, il faut que ça marche. Et d'un certain point de vue, je serais pas loin de penser que c'est un peu pareil même avec un être humain. Parce qu'on se parle, on croit qu'on se comprend bien. En même temps, on sait bien qu'on ne se comprend pas absolument jusqu'au moindre recoin de notre pensée. D'ailleurs, c'est très simple, on ne connaît pas la pensée de la personne en face de soi. Donc, de toute façon, il y a aussi toujours cette espèce de mystère. Et il va bien falloir, nous, par la parole, qu'on arrive à trouver, là aussi, finalement, une intersection. Une façon, je vais trouver une phrase qui va vous permettre de
comprendre ce que je veux dire, vous allez me répondre avec une autre phrase qui sera ce que vous pensez être le plus précis de votre pensée, tout en étant sans doute approximatif par rapport à la richesse ou la profondeur qu'elle peut avoir, ou les multiples domaines qu'elle peut toucher. Et bref, on avance comme ça, un peu comme un pingouin, en se dandinant, et puis on y arrive. Et puis non seulement on y arrive, mais en plus c'est passionnant. Et en plus c'est génial. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive à s'apprécier, et voire à s'aimer. Mmh. Ce fameux croisement, cette fameuse intersection hein, qui est importante. Moi, je vais peut-être, je vais essayer de lire très doucement pour ne pas, pour permettre à l'interprétation en langue des signes de traduire. Mais je vais continuer cette phrase que vous avez citée parce que c'est ce qui vient après qui est intéressant aussi, Sybille Grimbert, parce que Auguste se pose la question de l'endroit de cette interaction et d'où elle vient. Gus aurait aimé dire que ce lieu, donc cette intersection, ce lieu particulier qui les fait se réunir, était formé par l'affection. Mais il savait que c'était faux, que cette intersection avait créé leur affection et non l'inverse. Ils partageaient certaines sensations, ils se comprenaient dès que leurs besoins étaient en cause. L'un et l'autre connaissaient la faim, le plaisir d'un bon plat, la soif, la joie de la soulager, l'effet d'une caresse, celle d'un choc. Ils appliquaient sur ce type d'événement une grille de lecture identique et transposaient leur expérience sur celle de l'autre. Leur corps était sensible de la même manière et quand ils avaient sommeil, tous deux fermaient les yeux. Mais, hors de cette intersection, tout différait. Je pense qu'on est exactement dans la définition, ou alors je n'ai rien compris. Non. Moi aussi, je trouve que ça correspond exactement à un plan sur lequel se déploie la sociabilité humain-animal. C'est-à-dire que si on ne voit pas ce plan-là, on ne va jamais comprendre. On va croire qu'on va être balancé entre les deux choses dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que ça ne se déploie pas du tout sur le fait est-ce que c'est pareil ou pas. Parce que quand on commence à se poser cette question-là, on voit la différence surgir et elle est immense parfois. Et ce sont aussi, je pense que Sybille sera d'accord, des histoires individuelles qui se tissent. Ça n'aurait peut-être pas marché avec d'autres humains. Il n'y a rien d'écrit là-dedans non plus. C'est-à-dire qu'il y a eu des événements qui ont joué un rôle important. Il y a eu peut-être des dispositions, un rapport au monde de Auguste, peut-être aussi parce qu'il aimait bien la pêche, mais qu'il n'avait jamais réussi à aller pêcher comme un pingouin. Peu importe à la limite, mais ça prend. Et ça finit par faire cette histoire individuelle qui, à force de devenir un ballet dans lequel tout le monde se sent bien et tourne de manière harmonieusement, finit par les enivrer aussi, parce que ça marche, en fait. Et peu importe ce qui se passe dans la tête en face, c'est ça qui restera après. Et je pense qu'il y a une petite dimension modestement éthique là-dedans, c'est-à-dire que, oui, peut-être que ce qui est important, c'est pas de se demander toujours ce que les autres ont dans la tête, mais de voir ce qu'on peut faire avec eux, en fait, plutôt que de savoir s'ils sont exactement pareils. C'est pour ça que j'aime bien, dans le livre, je finirai juste là-dessus, il y a plein de « comme si », et c'est vraiment extrêmement riche comme approche. Il faut faire comme si, en fait, les gens étaient honnêtes et tout le monde devient honnête si on fait comme ça. Au risque de gêner Sybille Grimbert, Dominique Guillou, qu'est-ce qui dit... Enfin, on voit énormément de romans ou de textes ces dernières années sur les animaux, sur le lien homme-animal. Qu'est-ce qui distingue? C'est justement cette place-là qu'elle a donnée à l'intersection entre les deux. Qu'est-ce qui vraiment fait la différence et à vos yeux, une importance? Non, je ne pourrais pas prétendre faire la somme de tous les romans qui ont parlé des animaux, parce qu'il y en a beaucoup. Et il y a beaucoup d'angles qui peuvent être intéressants aussi sur les animaux. Mais en tout cas, je trouve que c'est la première fois que je vois moi, ça illustré par le fait, en fait, par une histoire. C'est-à-dire le fait que finalement, tout au long du roman, on ne voit pas du tout... Il peut se tromper, il ne sait pas trop, même sur lui, sur les autres, Auguste. Mais ça marche, ça prend. Et justement... comment se déploie une histoire, non pas à partir de la conviction qu'on serait vraiment d'accord avec l'animal, qu'on se comprendrait bien, voilà, que c'est pas ça qui est important, c'est autre chose, et que c'est ça qui est... Et on se rend compte à la fin que c'est encore plus saisissant, en fait. Paradoxalement, quand on insiste sur les différences avec l'animal et sur ses ajustements avec lui, on se rapproche encore plus à la fin. C'est beaucoup plus saisissant, je trouve, que les histoires
désespérément anthropomorphique, où finalement l'humain ne finit que par voir lui-même dans l'animal. Sybille. Je vais rebondir sur votre question, parce que moi, ce que je trouve très... Il y a un phénomène qui m'étonne beaucoup, c'est que depuis quelques années, il y a beaucoup de livres sur les animaux. Et cette année, on en a vu quand même beaucoup. Et ça, ça m'intrigue. Et j'ai une théorie tout à fait... qui n'a aucune prétention à être plus grand, mais tout à l'heure, on en parlait. C'est qu'effectivement, c'est à peu près le dernier champ. Enfin, il y en a plein d'autres, évidemment. Je ne parle pas de l'espace, et puis plein des maladies, etc. Mais c'est un des derniers champs qui est resté... où on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore totalement étudié. Et tout d'un coup, on se rue tous, avec bonne foi, enfin je le dis sans rien de péjoratif, on se rue sur cette question, sur ce qui est resté une énigme. On a connu, voilà, l'anthropologie. Voilà. Bah, oui. Juste là-dessus, je pense qu'aujourd'hui, la vraie question... parce qu'elle est importante pour l'écologie, pour le devenir de l'humanité, des espèces. La vraie question, c'est... on a les outils, je pense, dans l'éthologie, dans la biologie de l'évolution, pour tout ça. Maintenant, il faut qu'ils soient... je ne sais pas, il faut qu'ils soient compris et qu'ils passent. Et dans ce flot de littérature sur les animaux, enfin là, je parle modestement, je n'ai pas tout regardé ni rien, mais j'ai l'impression que ça ne passe pas, en fait. Je ne sais pas pourquoi... mais ça passe pas. Peut-être parce que c'est compliqué. Dans beaucoup de récits sur les animaux, ça reste des récits sur les humains, en fait. Y compris, et peut-être surtout ceux qui prétendent défendre absolument l'animal. C'est pas en faisant de l'homme un être extérieur à la nature qu'il a perverti dans son équilibre qu'on sauvera les animaux. Au contraire, je pense. J'ai regardé l'heure et l'heure tourne. Je voudrais juste qu'on avance sur deux, trois choses et puis je vais vite vous donner la parole. Je voudrais qu'on parle du pingouin. Parce qu'effectivement, c'est les animaux, mais là, c'est en l'occurrence un pingouin, un animal particulier. Alors déjà, merci. Moi, j'ai pu faire la différence entre le pingouin et le manchot. C'est bien décrit. Et grâce à Auguste et grâce à vous, c'est qu'il va l'observer. Au départ, le comparer à une serpillère, etc. Parce qu'en plus, le pingouin va se déployer au départ. C'est un animal quand même qui est en captivité, donc il va se refermer, puis se déployer. Il y aura des descriptions incroyables. Il va très fortement critiquer le dessin qu'a fait Audubon, même si les couleurs sont magnifiques, mais Audubon a dessiné à partir d'un animal mort et empaillé, et non pas à partir d'un animal vivant, à l'inverse du peintre qui a fait le portrait de sa fille Auguste avec le pingouin. Donc ça, c'est important et c'est très drôle, c'est parti des choses un peu humoristiques, mais il y a des choses dramatiques. Il y a un moment, et là peut-être aussi cette fameuse question, je disais qu'il navigue, hein, Auguste, entre la culpabilité, l'amour, etc. Il va y avoir une scène que je trouve terrible, terriblement triste aussi, où un des étudiants va se moquer de Prosp. Ces deux pages sont très tristes, de Prosp qui va chuter devant eux. Il va rire comme on rirait finalement tous devant un animal ridicule qui glisse. L'étudiant ne comprend pas que Auguste soit froissé parce que finalement on rit bien aux os d'animaux comme ça qui sont ridicules. Les mains d'Auguste tremblaient. Il avait eu l'impression de voir son pingouin rougir de honte ou de gêne. Et les jours d'après, il va l'observer, ce pingouin. Chaque fois que Auguste observait Prosp dans le jardin devant son bassin, il voyait désormais son existence racornie par sa faute, sa vie artificielle et anémiée, où tout devait avoir le goût édulcoré des poissons déjà morts qu'il avalait, des eaux immobiles où il se baignait, le bassin et non plus la mer. Il l'imaginait sans cesse glisser sur les sols nettoyés de sa maison, se relever sans comprendre pourquoi il était si mal bâti pour vivre là où il vivait, sans ailes pour s'envoler, comme les pigeons qui se posent sur les arbres, avec des palmes aux pieds encombrantes, trop larges, qui s'entrechoquaient quand il aurait aimé bondir comme un chat ou avoir des jambes et courir comme un enfant. Elle est terrible, cette scène, et c'est ce regard que porte Auguste sur son pingouin. C'est Auguste qui est triste, au final. Bien sûr. Et là,
D'ailleurs, c'est pour ça que c'est toujours l'homme qui parle dans mon livre, parce que, c'est, encore une fois, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête d'un grand pingouin. Non, mais cela dit, c'est... pour lui, c'est effectivement terrible. Il a la responsabilité de l'oiseau. Mais c'est surtout le fait de... Vous savez, quand tout d'un coup, vous êtes avec des gens... Bref, c'est ce qu'on comprend parce qu'il y a un tiers dans la pièce. C'est tout d'un coup, quand on arrive à regarder... Alors là, ça peut être un animal, mais un être humain, enfin, c'est tout. Quand on arrive à regarder quelque chose vu par les yeux de quelqu'un d'autre. On a des moments comme ça où... vous savez, une silhouette d'ami dans la rue, tout d'un coup, vous le voyez, il ne vous a pas encore repéré, vous le voyez, et vous le voyez comme quelqu'un qui ne le connaîtrait pas le verrait marcher. Vous voyez, ça, vous le voyez dans son être, d'un certain point de vue. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'il découvre... Ben évidemment, ce n'est pas tout à fait naturel d'avoir un grand pingouin dans un salon. Là, c'est pas la question du sauvage, du domestique ou de l'apprivoisé, si vous voulez. C'est que de toute façon, c'est bizarre et qu'il est. Enfin, je veux dire, c'est le bon sens le plus élémentaire. Il est plus heureux dans la vague, dans l'océan. Et on ne peut pas, nous humains, on ne peut pas ne pas y penser. Mais ce qui va faire, alors je vais pas tout dévoiler du livre, mais ce qui va faire qu'Auguste va aller faire le sens inverse. Il va aller dans la nature avec Proust. Voilà. Votre livre, et là je vais finir, ça sera ma dernière question, qui est peut-être pour moi la plus importante, parce que finalement je disais que c'est la première fois que vous écrivez sur le rapport entre un animal et un homme, mais finalement une des questions du livre, ou peut-être deux des questions importantes du livre, c'est la possibilité d'autres vies, je trouve, à mon sens, et la question identitaire. Et ça c'est ce qu'on pose, c'est ce dont on parle depuis le début, c'est finalement ça, c'est quelles identités autres, différentes, et comment accueillir les autres. Et je trouve que c'est profondément là où se trouve votre livre, Sybille Grimbert. Bah, ça me fait très plaisir. Je crois qu'effectivement, c'est exactement le sujet. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'altérité, sur un certain nombre de choses. Mais là, j'ai très envie d'entendre Dominique Guillot là-dessus. Parce que je pense que ce sera plus... Non, mais je pense que... Enfin, j'en profite pour dire que si vous ne l'avez pas lu, il faut absolument lire ce livre, parce que ça illustre par l'exemple... Ça en dira beaucoup plus long que des propos peut-être théoriques. On voit bien comment ça se déploie, mais pour le dire avec mes mots, du coup, je pense que la dimension... La question qu'il y a derrière cette histoire d'identité, dont on entend beaucoup parler, est-ce que c'est ça qui fonde le lien entre les gens, y compris les humains? Ça nous invite à tirer des conclusions de cette histoire qui sont que peut-être, finalement, y compris avec les animaux d'ailleurs, la vraie question éthique, elle doit reposer sur, comment dire, souvent, on sent avec les animaux qu'on a besoin pour convaincre les gens de les convaincre qu'ils sont presque des humains, qui souffrent, qui pensent, etc. Alors qu'en fait, si on tire les conclusions de ce qui a été dit là, peut-être qu'il y a une autre éthique qui doit se développer, qui est une éthique de la solidarité écologique, c'est-à-dire que, et de la solidarité entre personnes différentes dans une société, au sens où on est complémentaires, on peut faire des choses ensemble, en fait. Et c'est très différent d'une éthique qui est basée sur l'identité partagée. Et je crains que, au bout du compte, si c'est l'éthique de l'identité partagée qui l'emporte sur les différentes espèces, on va être déçus parce que non, ils sont vraiment différents, les animaux, ils ne sont pas pareils. Donc, ceux qui défendent l'idée que, attention, il va falloir sauver toutes les espèces parce qu'elles sont comme l'être humain, ils vont rapidement peut-être devoir arriver à la conclusion qu'il faut les supprimer parce qu'elles sont différentes. Enfin, je pousse un peu le bouchon loin, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment la solidarité écologique dans une même niche qui doit prévaloir dans ce domaine. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des remarques ? Je crois là, madame. Et après, je crois ici aussi. Bonjour. Alors, j'ai dit que je n'ai pas lu vos œuvres. Je suis ici pour découvrir. Et j'ai participé cette année à l'agrégation des lettres 2023. Et pour la question des littératures comparées, les sujets étaient les regards de l'animal était un regard qui dérange.
Donc j'aimerais savoir votre point de vue par rapport à ces propos. Alors, de mon point de vue, tout simplement le plus qu'est-ce simple... Qu'est-ce que vous aurez écrit? Non, mais j'aurais été bien embêtée, mais je ne passais pas à la grègue. Donc, peut-être que sinon j'aurais... Non, mais moi, je vais vous répondre littéralement, donc c'est peut-être, je suis peut-être à côté de la plaque. Non, ce n'est pas un regard qui dérange. Mais moi, j'aurais tendance à penser qu'aucun regard dérange. Maintenant, mais sauf si elle, il voulait dire, je sais pas, non, allez-y. Non, c'est vous qui avez. Non, c'était juste de l'animal ou des animaux? De l'animal, ah. Et c'était dans une œuvre d'éco-poétique. Alors. Tirée d'une œuvre d'éco-poétique, alors, donc je pense que c'était dans aussi. C'est de l'éco-poésie, mais ouais. je suis toujours, enfin, on doit être toujours embarrassé de parler de l'animal. Quand on parle de l'animal ou des non-humains. On met en vrac des choses ensemble et tout est regardé d'un point de vue humain. C'est-à-dire que moi, je sais ce que c'est. Pour un requin, par exemple, il n'y a pas de non-humain. Il y a des non-requins, peut-être, mais il n'y a pas de non-humain. Donc, parler de non-humain et de l'animal en général, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, il y a des regards des animaux. Et il y a une très grande importance accordée à l'œil, en fait, qui est quelque chose d'éthologiquement central pour nous et pour pas mal d'animaux. Mais vous avez raison, parce que je suppose qu'être regardé par un requin voilà. Est extrêmement dérangeant. Et dans de la mer. Donc là, je suis tout à fait d'accord. Moi, ça me fait peur. Il y a des animaux, ils me font peur. Il y a des animaux que je n'aime pas, même individuellement, vous voyez. Mais qu'est-ce qu'on sait du regard de l'animal? On n'aime pas les chiens, quoi. Qu'est-ce qu'on sait du regard de l'animal? Il y a des regards, il y a plein de regards, ouais. En fait. Il y a plein de types d'yeux. Dans toutes les espèces, et même dans une espèce, moi, il y a des chiens. J'ai eu un chien que j'aimais beaucoup. Son regard, je le connaissais. Je ne saurais pas le décrire pourquoi. Et il y a des chiens dont je n'aime pas le regard. Donc, il y a des regards qui dérangent, mais parce qu'ils sont expressifs. Mais il y a des hommes dont je n'aime pas le regard non plus, ou alors, les femmes. Moi, il y a un autre truc. Là, on est parti. Peut-être que vous avez d'autres questions. Donc, moi, il y a un autre truc qui me fascine. C'est de penser que les animaux, ouais, je dis les animaux parce que bon, c'est, pour le coup, c'est vrai, ne voient pas la même chose que nous. Je trouve que c'est totalement vertigineux de penser qu'ils ont, pour certains d'entre eux, un univers beaucoup plus plat, un univers sur les côtés, des couleurs différentes, des cordes. Bref, on n'a même pas accès à la même réalité. Ça, je trouve que c'est extraordinaire. Mais ça se croise aussi. Parce que, voilà, il y a des choses... Mais je suis toujours demandé, ça fait écho à ça, comment les chiens d'aveugle, ils repèrent le jaune et le vert, quoi, par exemple, parce que les chiens ne distinguent pas bien le jaune et le vert sur les feux. Enfin, mais ça marche. Ils arrivent à ce que les aveugles ne se fassent pas écraser. Mais ça ne marche pas quand on croit que ça marche, mais ça marche. Ah, la question des couleurs est dans votre livre voilà, aussi. Hein, il se pose la question, Gus, des couleurs. Il se dit finalement, est-ce que le pingouin voit cette couleur-là? Mais moi, peut-être aussi qu'il y a des couleurs que lui voit et que je ne vois pas. Mais ça veut dire que à quoi ressemble le monde? Si le monde n'était pas vu par nos yeux, ni par les yeux d'un pingouin, d'un chat, d'un chien, à quoi ça ressemble? En vrai, si même l'idée du vrai existe, je trouve ça très amusant. C'est fascinant. D'ailleurs, il y a des phrases de description aussi, notamment la mer. L'eau est très importante dans votre livre. Et Auguste observe à un moment donné le pingouin dans l'eau et il a une fascination pour ça. Et l'eau est un élément essentiel dans cette histoire. C'est là où l'écologie prend toute son importance parce que. Il y a des milieux dans lesquels voilà, on est plus à l'aise que d'autres. Et effectivement, le pingouin qui est pas très adroit sur Terre, il devient, c'est son monde, c'est un prince dans la mer. Voilà. Et vous précisez dans votre livre, vous aussi, Dominique Guillot, qu'il faut bien aussi distinguer les animaux de la mer et les animaux terrestres. Il y a d'autres questions. Je ne vais pas garder la parole. Je crois qu'il y avait une autre question là, monsieur. En fait, c'est pas réellement une question, mais c'est pour dire qu'il y a aussi une dimension très littéraire à ce livre. C'est la littérature. Moi, a priori, j'avais aucun intérêt, je ne voyais pas d'intérêt à lire un livre qui mettait en scène un pingouin. Mais alors, très vite, il y a quelque chose de mystérieux entre les deux personnages. Et ce mystère, il s'amplifie tout au long de la lecture et ça devient presque dramatique. Moi, j'ai lu ça comme un drame qui m'a fait avoir des émotions physiques. Voilà, je trouve que cette littérature-là, avec cette part de mystère, et j'avais envie de rester dans ce mystère-là, de ne pas tout comprendre, mais je trouvais que c'était beau, c'était magique, c'était totalement atypique. Ça nous a amené dans un univers qui était vraiment onirique.
Eh bien, ça, c'est une réussite aussi du livre, au-delà de tout ce qu'il nous apprend. Et je trouve qu'il faut aussi le dire et le signaler, parce que c'est une langue, et c'est magique, ce livre. Ce livre est magique. Je vous remercie. Je suis très, très touchée. On est deux. Sur trois d'accord, je ne vous mets pas dans le avec vous. Et c'est un texte aussi sur la beauté du monde, et c'est un texte effectivement éminemment littéraire. Merci infiniment à tous les deux, à vous tous. Merci. Je voudrais juste saluer Cathy, j'espère ne pas me tromper, mais Cathy, Marine, Sylvia et Sandra d'Agils qui ont interprété cette discussion en langue des signes. Les livres sont juste derrière et les auteurs seront aussi à votre disposition si vous voulez pour signer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.